Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Encore une fois, ce n'est pas Cindy Lecker qui a fait la cour à Koffi Olomide. C'est une femme bantou. Elle connaît ses droits, sa valeur. C'est Koffi Olomide qui a fait la cour à Cindy Lecker Olomide. C'est l'homme qui a quitté pour aller vers la femme. Et non le contraire. Ma Alia, être grand ne veut pas dire mesurer 2 mètres. C'est ce que Koffi Olomide nous a chanté dans une de ses belles chansons. Femme noire, femme africaine, au toi ma belle, je passe à toi. La femme selon le cœur de Koffi Olomide, c'est Cindy Lecker aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Papa Rolls nous a dévoilé pur et clair ceux qui sont derrière les coups montés contre la personne de Koffi Olomide. Moi, je ne le dis pas, j'ai écouté, j'ai suivi l'émission de notre journaliste de longue date, notre cher frère Papa Rolls, Azako Sakananamaloba. Il a bien dit, il nous a donné les détails. Moi, j'ai toujours dit que il n'y a pas de fumée, ça fait. Aujourd'hui, tout le monde, sika, les fumées, tout le monde va faire, il y a Makambo. Mais moi, je ne vais pas entrer dans les détails puisque on connaît, tout le monde le sait. Maman Alia, pourquoi tu avais laissé la porte de ton foyer ouverte? N'est-ce pas, c'était ton devoir de protéger ton foyer? Vous avez insulté Boza Koufinga Cindy Lecker, qu'elle vient d'une famille pauvre. Vous l'insultez qu'elle était une simple servante. Mais maman, papa, vous les gens qui faites les émissions inutiles, écoutez ceci. Il n'y a personne qui est né riche ici au monde. Il n'y a personne, encore une fois je le répète, il n'y a personne qui est né riche dans ce monde. Tous, on est venus sans vêtements, ni. On a été protégés tous par nos parents. Donc, il n'y a personne qui est venu riche. Nous étions aidés dès les premiers jours ici au monde. Mourir pauvre, c'était choix. Mourir pauvre, c'était choix. Dans la vie, il faut savoir prendre les risques. Tu ne seras jamais riche sans prendre des risques. Cindy Lecker, on l'a vu dans les quartiers latins. Les gens montrent ses photos, les gens publient ses photos. Ça, c'est son commencement. Maman Alia, tu aussi tes commencements. Tout le monde, vous les mamans-là qui insultez chaque jour Cindy Lecker, vous avez vos commencements. Au moins, Cindy Lecker, chacun connaît Cindy Lecker dès son commencement et n'a jamais été vilaine. Elle a toujours été belle, naturelle et n'a jamais appliqué des produits sur son corps, jamais. Elle a toujours gardé son teint naturel. On l'aime comme ça. Elle est comme ça. Elle est belle. On l'aime comme ça. Les photos d'Assier là, maintenant quand on la voit aujourd'hui là, on la met comme ça, sans maquillage. On met aussi votre maman là que vous êtes en train de louer chaque jour sans maquillage comme ça, on les met à des là. Mes chers amis, il n'y a pas belle que Cindy Lecker. Il n'y a pas femme, en tout cas naturelle, comme Cindy Lecker. Elle a de l'argent. Cindy a l'argent, mais elle a choisi de rester naturelle. Et son homme l'aime comme ça. Vous l'insultez qu'elle vient d'une famille pauvre. Vous qui l'insultez, vous qui dites qu'elle vient de famille pauvre, vous venez de quelle famille? Dites-nous si vous venez de quelle famille. Au moins, nous savons que la fille-là n'est pas venue d'une famille pauvre. Puisqu'elle chantait déjà, elle était déjà chez Koulmatope. Elle était déjà quelque part. Elle était quelque part. Il y a des femmes qui essaient de signer le cœur aujourd'hui. Ce sont des femmes qui viennent de la rue. Les femmes de la rue, les femmes qui n'ont pas un passé glorieux. Mais Cindy Lecker, c'est une femme de la maison.
Quand on écoute l'histoire, la biographie de Cindy Lecker, c'était une femme de la maison. Elle chantait d'abord pour la gloire du Seigneur. Et c'est une femme qui vient de des chorales religieuses. Donc c'est une femme qui n'est pas dévergondée. Elle est une femme en ligne, une femme de droiture. Vous oubliez beaucoup de choses. Vous voulez seulement dire de n'importe quoi pour faire du mal à quelqu'un. Mais la réalité est que nous connaissons la vérité. Et la vérité va vous affranchir puisque on vous dit aujourd'hui les vérités. Les vérités que vous ignorez pendant que vous connaissez la vérité. Une femme chrétienne, une femme de la lignée des religieux. Et Kofi Olomide l'a découvert au studio, pas dans la rue. Au studio, en train de chanter les chansons à la gloire de Dieu. Elle n'était pas une femme de la rue. Il faut oublier ça. Maintenant, dites-nous, où est-ce que Kofi a trouvé Alia? Puisque nous, on sait que Kofi a trouvé Cindy au studio. Il y a des témoins. Kulmatope, c'est témoin. Il y a aussi des arrangères dans les studios, là, sont des témoins. La fille là n'est pas une fille de la rue. Il n'y a aucune photo que vous allez nous montrer qu'elle était une femme dévergondée. Il n'y en a pas. Mais les femmes que vous glorifiez chaque jour là, elles ont passé dans beaucoup de mains, beaucoup de garçons. Beaucoup de garçons ont vu leur caleçon. Les gens là, que vous louez. Mais la fille ici, c'est une femme qu'elle vient d'une famille très respectueuse. Elle-même, elle est respectée depuis qu'elle est chez Kofi Olomide, qu'il a déjà écouté en train de faire des bêtises. Même les danseuses qui sont là en train de parler beaucoup, beaucoup là. Les danseuses, quand on voit danseuses d'abord, les danseuses là viennent de quelle sorte de famille? Une danseuse qui veut parler mal à Cindy Lecker. Vous regardez maintenant, elle vient de quelle famille? Ce sont des personnes d'abord mal éduquées, mal élevées, mal instruites. Les danseuses là, mal élevées, mal éduquées, mal instruites. C'est elles qui vont venir parler de Cindy Lecker. Et vous écoutez de telles personnes. Est-ce que ces gens-là peuvent parler du bien d'une personne qui vient d'une famille bien éduquée? Ce sont des personnes à ne même pas écouter. Encore les danseuses là sont en Europe, des femmes vraiment seules. En tout cas, n'oublie pas que l'Europe va refouler les gens bientôt là. En Europe, ici, la France, le 11 décembre, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Préparez-vous avec vos parler là, on va voir aussi bientôt là. Ce n'est pas Cindy qui a toujours été aux côtés de Kofi Olomide. À l'absence de votre maman là, est-ce que vous pensez que pendant 10 ans, c'est Kofi devrait seulement aller au restaurant chaque jour? Pendant ce temps-là, Kofi devrait manger quoi si Alia n'était pas là? Elle a montré les fils que Alia, selon moi, je peux me tromper, Alia a montré les capacités d'être une mère. Elle n'a pas été là pendant les temps difficiles de Kofi Olomide. Mais elle a toujours été là pendant les temps faciles. C'est ce que vous cherchez. Vous voulez toujours que les gens soient là pendant les temps faciles. Quand il y a les épreuves là, c'est une femme, elle est capable de fuir. Elle peut courir. Vous aimez de telles choses. Mais Cindy Lecker a enduré. On a vu Kofi Olomide à Nairobi en train de frapper femme. Cindy n'a pas fui. Cindy a toujours été là. On a vu en Europe Kofi en train de toucher les fesses d'une femme. La femme là, Cindy, elle est aussi une femme. Elle a le cœur. Mais elle sait comment maîtriser la situation. Mais votre maman là, elle, c'est quand il y a cadeau, c'est le jour où vous allez la voir sourire. Quand il y a cadeau, on va partir au restaurant. Pendant que Cindy est en train de souffrir ici avec l'homme, quand Kofi est malade, c'est Cindy qui est là. Quand Kofi veut manger, c'est Cindy qui est là. Mais vous voulez quoi? Cette dame-là a droit à une récompense, même plus que ce que Kofi a fait. Pour la mari, l'épouser, ce n'est pas cadeau. C'était droit. Pour que voir Cindy dans la maison de Kofi Olomide, ce n'est pas un cadeau. C'était droit. Puisque elle s'est battue pour être là. Pendant que l'homme était seul, c'est elle qui a donné son temps en tant que chanteuse.
Elle s'est donnée aussi comme être. Et puis vous l'appelez aussi Mutwa Musala. Mais elle a travaillé. Maintenant, Mutwa Musala, elle a travaillé. Oui, elle était une bonne, mais elle a travaillé. Et elle a gagné la confiance de son patron. Aujourd'hui, elle est patronne. Elle n'est plus Mutwa Musala. Elle est patronne aujourd'hui. Si vous qui êtes en Europe ici, en train de citer la femme-là, elle était boy. Vous, qu'est-ce que vous faites ici, tout le monde est beau ici en Europe. Vous allez nettoyer les fesses des vieillards. Vous allez nettoyer les entreprises des gens. Ça, c'est être aussi beau. Pour vous ici, vous êtes les gens, les boys. Mutwa Musala, ici en Europe, pour elle, parce qu'elle est pour la Congo, ça, c'est mauvais. Elle est là quand même. Vous nettoyez les fesses des gens ici. Malgré ça, vous ne serez pas le patron de ces gens-là. Mais elle, elle a préparé la nourriture pour Kofi. Kofi l'a élevé au rang d'une femme. Qui a de la valeur? Qui a de la valeur entre vous, les dévergondés de l'Europe là, et celle qui a été boy à côté de Kofi Olomide? Aujourd'hui, elle est devenue la femme de Kofi Olomide. Qui a gagné? Et puis elle, quand elle voyage, vous les mamans qui insultez Cindy Lecoeur, je parie, à chaque fois que vous voyagez, vous voyagez dans l'économie, dans la classe économique. Mais elle, c'est la première classe. Qui est bien? Qui est meilleur? Qui est mieux? Et puis elle, quand elle se déplace devant un public, elle chante, les gens l'acclament, elle gagne de l'argent. Toi, tu peux partir, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Qu'est-ce que toi tu fais dans la vie que Cindy Lecoeur ne peut pas faire? Chacun a son métier. Est-ce que maintenant toi, elle est chanteuse. Vous faites quoi ici en Europe? Deuxième chose, elle est mariée à une légende. Une légende. Pas n'importe quel musicien. Et puis ce n'est pas seulement légende, puisque Azam Mukolo, il est devenu grand qu'on lui a attribué le nom de légende. Non. Kofi a des chansons qui ont la valeur des diamants. Kofi a des albums. Les albums qui font parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vos maris ont? Les dévergondés peut-être. Ce sont les vos maris qui se fâchent à tout moment. Ils sont frustrés puisqu'ils n'ont pas l'argent garanti pour la maison, pour payer le loyer. Ce sont des personnes qui sont frustrées. Vous les femmes, vous êtes les femmes infidèles. Vous voulez vous comparer à une personne qui est douce, docile, Cindy. La majorité des femmes qui insultent Cindy sont des femmes qui ont déjà mis des produits sur leur corps. Ils ont brûlé leur corps avec des produits, les produits pharmaceutiques. Pendant que Cindy, elle a beaucoup plus d'argent que vous, mais elle aime être naturelle comme elle était créée. Vous voulez vous comparer à elle, mes chers amis? Il faut être quand même malade. Il faut être malade. Cindy, c'est une dame à respecter. Encore, elle a protégé notre légende. Elle a su protéger notre légende. Elle a enduré ce que d'autres femmes n'ont pas enduré. L'état difficile de Kofi Olomide, elle a été là. Elle est toujours là. Il y a d'autres qui se promènent sur les réseaux sociaux avec les divorces, divorces, divorces. Mais elle, avec son âge, elle n'a même pas 40 ans. Mais elle sait comment se maîtriser plus que les gens qui ont déjà 50 ans. Si vous pensez que la beauté, c'est la couleur, mais moi je vous dis que la beauté que l'homme cherche, c'est l'intérieur. Maintenant, votre femme là, que vous louez chaque jour, dites-nous si elle a l'intérieur. Mais moi je vais vous dire que la femme de Kofi Olomide, Cindy Lecoeur Olomide, elle a l'extérieur, l'apparence, elle a aussi l'intérieur, elle a aussi la bonté. C'est pour cela que sa famille là, récit avec des mains. Que vous le voulez ou pas, c'est la femme de Kofi Olomide. Que vous montez ou descendre, la femme là ne va pas quitter le foyer à cause de vous. Vous allez parler, parler, parler. C'est la femme de Kofi Olomide. Vous, qui est votre mari, elle quand même, elle peut monter, présenter au monde son mari. Elle peut présenter aux hommes son métier. Elle peut présenter au monde tout ce qu'elle sait faire dans la vie. Vous n'avez même pas... Il y a des femmes qui ne sont même pas stables en Europe. Plus de 10 à 15 ans, elles ne savent pas ce qu'elles peuvent faire dans la vie. C'est elle qui prend les téléphones, les caméras devant et commencer à parler des hérésies sur la personne honnête, normale de Cindy Lecoeur.
Moi, je suis l'oncle de tous les enfants. Je vous aime trop. Je pense que je n'ai pas tout à débordir. Veuillez vous abonner, commenter et surtout, mettez les j'aime si vous aviez aimé le contenu. Nam Tunabino Gilmas, toujours dans les bons. À bientôt. Bye.